Y'a tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Warhawk en R&D clan v clan. Donc, dans cette partie, j'étais accompagné de Smiley Killer, Psychotic Benji ainsi que de Heartkiller 44. Donc, dédicace à vous les mecs. Donc, aujourd'hui, je vous poste ce gameplay tout simplement parce que je trouve que j'ai réalisé une assez bonne partie en clan v clan. J'ai coupé les moments où je mourrais parce que voilà, après ça devient enfin, c'est assez chiant pour ceux qui visionnent la vidéo. Donc, pour vous. D'attendre au moins 20-30 secondes à chaque fois que je meurs. Même si je suis pas mort beaucoup de fois, je suis mort 2 ou 3 fois, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est chiant d'attendre tout simplement. Donc je vous ai coupé les moments où je meurs. Comme ça, ça reprend le moment où, où je recommence à faire des frags tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait un full team. Donc j'étais assez content. Donc sinon dans cette vidéo, tout d'abord je vais vous présenter ma classe. Donc comme vous pouvez voir, il y a Remington, donc c'est le viseur laser, frein de bouche, en atout, fin prêt, agilité marathon, visée solide, ainsi que silence de mort et concentration. Après en spécial, donc j'étais en spécialiste, comme vous pouvez voir, j'avais bouclier anti-explosion, as de la gâchette, je n'avais pas de troisième atout, tout simplement pour obtenir mes spécialistes plus rapidement, donc à 9 kills. Ensuite j'avais les atouts, donc passe-passe, pillard, résistance, après le bouclier anti-paralysante, je crois. Enfin, c'est quand on est stun, en gros, ça nous fait rien. Et le truc pour recharger en même temps qu'on sprint. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc voilà, là je suis mort, j'ai coupé le gameplay. Donc tout d'abord à propos de la team, donc je vous avais parlé donc dans mon ancienne vidéo, enfin dans la dernière vidéo, donc au Ballista. Donc j'ai trouvé une team, donc ils sont en train de me tester en ce moment. Et franchement je la trouve vraiment bien. Et ils sont matures, c'est ça que j'aime bien, ils sont matures, ils ont un très bon niveau. Et franchement ça me plaît pas mal. Parce que c'est vrai que les autres teams que j'ai fait avant, c'était pas très, enfin c'était pas très mature. Et voilà, ils avaient un certain niveau, mais c'était pas encore le niveau que je recherchais. Et là, franchement, je suis tombé sur une bonne team qui ont à peu près le même niveau que moi. Et franchement, ça fait super plaisir. Parce que voilà, j'ai vraiment eu du mal à trouver des gens avec le même niveau que moi, tout simplement. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs abonnés qui m'avaient envoyé des messages à propos de recrutement, donc qui voulait me recruter, tout ça. Donc j'ai eu les messages. J'ai eu un message aussi d'un abonné sur Xbox. Donc si tu regardes la vidéo, mec, je vais bientôt te contacter si je ne suis pas recruté dans cette team là. Je te contacterai. Même je te contacterai même avant pour qu'on parle de ça. Mais ton offre, enfin ouais, ton offre m'intéresse. Donc car j'ai vu que tu faisais beaucoup d'ODC avec ta team ainsi que beaucoup de scrim, donc ça m'intéresse beaucoup car je veux vraiment être à fond dedans, faire beaucoup de scrim au moins 3-4 par semaine ainsi qu'un ODC tous les week-ends. Ça serait vraiment nickel pour s'améliorer parce que j'ai vu des commentaires qui disaient que ça faisait beaucoup de faire tout ça. C'est vrai que c'est un grand investissement, ça prend pas mal de temps de faire des scrims, de faire des ODC. Ça prend du temps que ça soit dans notre vie IRL ou notre vie in-game, parce que par exemple moi qui est youtubeur, voilà, je dois tenter des performances, parce que c'est vrai que la base de ma chaîne c'est un peu la performance. Et c'est vrai que vu que je vais recommencer la compétition, je vous ferai beaucoup moins de gameplay performance, mais je vous ferai des gameplays en clan v clan. Je vous posterai des grosses games que j'ai fait en ODC ainsi qu'en scrim. Et je vous mettrai des gameplays au sniper, parce que le sniper, je jouerai quelquefois au sniper, donc dès que je pourrai, comment dire, un peu m'évader du monde de la compétition, je jouerai au sniper. Je pense que la performance pour moi, c'est terminé, franchement, ça, j'ai envie de passer à autre chose, parce que la performance, comme vous pouvez voir sur YouTube, ça marche plus. Bon, j'arrête pas la performance, pas parce que ça fait plus de vues ou je sais pas quoi, hein, ça je m'en bats les reins. C'est juste que ça m'a juste saoulé. Je sais pas, en fait à force de faire des KEM, des MOAB, des nucléaires sur BO2, franchement ça m'a complètement gavé à un point que vous pouvez ne pas imaginer. Donc là j'ai fail un peu mon shoot. Mais ouais voilà, franchement c'est super chiant. Donc je pense que vous devez le comprendre, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, qui comme Cizo, Nakaze,
qui ont un peu stoppé aussi la performance, qui ont fait leur série personnelle. Donc même avec Gianni vous dit tout, Ciso pareil, en racontant ses histoires personnelles avec Nakaze aussi, ils ont un peu changé de voix, et je peux les comprendre, parce que la performance, franchement, tout le monde en a un peu marre, et c'est vrai que ça lasse un peu les gens sur YouTube, mais bon. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que j'allais stopper la performance pendant pas mal de temps, je pense, et que j'allais me mettre beaucoup de pendant pas mal de temps à la compétition. Et comme je dis, donc je mettrai des gros gameplays en scrim ou en ODC ou en clan v clan, donc que ça soit en solo ou avec des amis, et des gameplays au sniper, car comme je l'ai dit, un montage se prépare pour les 5K. Et pour l'instant, j'ai au moins une vingtaine de clips, donc je suis content. Je suis assez content. J'ai rentré pas mal de clips, que ça soit trickshot, killfeed, donc je suis super content. En tout cas, je vous proposerai ça vers les 5000 abonnés. Et j'espère qu'il vous plaira parce que j'ai investi beaucoup dans ce montage en essayant de vous faire des clips de malade mental. Enfin bref. En tout cas, je vous ai pas mis la partie en entière parce que après, j'ai fait que. Là, vous pouvez voir que je suis en skill. J'ai fait un kill et après, pendant au moins 3-4 minutes, enfin pendant deux manches de suite, j'ai fait qu'un kill. Donc, je n'ai pas mis la fin du gameplay parce que voilà, c'était pas très intéressant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Si ce genre de gameplay vous plaît, là au passage, tac, je lui mets un petit headshot, j'ai bien aimé. Dites-moi dans les commentaires, comme j'ai dit, donc, de mettre. De dire si vous aimez ce genre de gameplay. En tout cas, c'était Blackbird HD. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'espère que le commentaire vous a plu. J'essaie d'être le plus explicite à propos de ce qui se passait en ce moment sur ma chaîne YouTube et de ce qui va se passer prochainement. Donc voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde! Préparez-vous pour la prochaine manche. Changement de camp.